Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, je parle en mon nom, mais ce n'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Merci à Madame Marion Maréchal qui condamne les exactions qui ont eu lieu sur de vieilles personnes. Et donc il y a beaucoup de violence en France, il y a de l'incivilité, on a oublié ce qu'étaient les gentilshommes et de gentes dames. Alors tout ça, ce sont les effets. Aujourd'hui, on arrive un peu à un chaos généralisé, y compris au niveau de la politique extérieure de la France. C'est un désastre complet. On a encore des choses qui marchent. On a encore des routes qui se tiennent à peu près, des autoroutes qui se tiennent à peu près. C'est la France, il fait beau, c'est le printemps, c'est merveilleux, la campagne est belle. Mais on est dirigé depuis très longtemps par des gens qui ne nous respectent pas depuis juillet 1830. Et puis, aujourd'hui, on s'étonne de la violence, de la dissolution de la société. Ça vient de la constitution de la Ve République. Comme d'ailleurs le maréchal Pétain, ils ont fait la même erreur. Aujourd'hui, Madame Borne dit que le Rassemblement National, c'est le maréchal Pétain. Je lui ferai remarquer, vous pouvez le trouver, hein, vous faites sur Google comment gouvernement du maréchal Pétain. Il y a beaucoup de gens qui sont sans étiquette, mais tous ceux qui ont une étiquette sont socialistes. Donc il faudrait peut-être qu'elle se taise un peu. Donc il y a une dissolution complète de la France, de la structure, des structures intermédiaires de la France. Et c'est en 1958, il y a eu la constitution de la Ve République, et 10 ans après, on a eu 1968. On a supprimé Dieu de tous les corps intermédiaires et de l'enseignement public, etc., qui n'était plus catholique. Enfin, ça remonte à 1905 et même avant, hein, voilà, on va dire 1830. Et si le général de Gaulle avait fait simplement une 4e République, on gardait la 4e République en la couronnant, c'est-à-dire en demandant au grand-père de Louis de Bourbon de revenir sur le trône de France, il y avait un lien avec Dieu. La France était catholique et royale, donc une France catholique, avec la tolérance de toutes les autres religions, hein, on est d'accord, sauf les religions sataniques et légifériennes, et les clubs lucifériens aussi, voilà. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle des causes, on dit que c'est la faute de Macron, c'est vrai, c'est la faute de Darmanin, etc., des politiques, etc., mais c'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire que la structure, la constitution de la Ve République est sans Dieu, sans Dieu. Elle est athée, nous sommes dans une constitution communiste. Voilà la raison profonde, me semble-t-il. La 4e République, c'était pas beaucoup mieux, la 3e encore moins, enfin, vous voyez. Mais donc depuis juillet 1830, on est dans ces logiques, avec des choses plus ou moins marquées, mais la constitution de la Ve République est athée, sans Dieu. Donc, il ne faut pas s'étonner de tous ces effets. Alors, M. Zemmour se réclame du général de Gaulle et de Napoléon. Napoléon, ça a duré 10 ans, et de 1958 à 1968, ça fait 10 ans aussi. Je le soutiens complètement. Il est intéressant, M. Zemmour, parce qu'il accepte des gens qui sont différents de lui, mais qui sont de droite, quoi. Donc ça c'est bien, c'est le seul. Par exemple moi je ne peux pas aller au Rassemblement National parce que je suis contre la laïcité, évidemment. Et je suis catholique et pour moi c'est la chose la plus importante. Tandis que M. Zemmour accepte les gens, semble-t-il, des gens de sensibilités différentes. Je trouve aussi que Place d'Armes, j'en fais partie depuis 2 mois, j'ai pas eu un coup de fil, donc c'est bien aussi, mais je sais pas ce qu'ils font, voilà. Donc c'est intéressant, mais l'idée était intéressante, les anciens militaires, tout ça c'est intéressant, mais voilà. Donc quelques petites choses là, ce 31 mai sur la situation actuelle de la France et de cette violence qui est en France. Mais pourquoi il y a cette violence? Pourquoi il y a
un manque d'éducation des gens, etc. Parce qu'il n'y a plus de crucifix dans les écoles et plus de statue de la Sainte Vierge. Et de l'enseignement du catéchisme et de la morale catholique, voilà. Et de la mystique catholique, l'importance d'aller à la bonne messe, la vraie messe le dimanche. Voilà pourquoi la France va mal. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. En cette octave de la Pentecôte, que le Saint-Esprit nous éclaire. Notre âme de France, notre âme de Boulogne, priez pour nous. Notre âme de l'univers, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de l'univers, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, Saint-Michel Archange, protégez-nous et merci d'être là. À très bientôt à tous, Deo Cetrex.